doit passer inaperçu. Montre-moi cette terre, mon ami. Le siège du pouvoir d'Alfred. Là d'où viennent les bouses qui tachent mes portes. C'est dans la maison de leur dieu que je trouverai l'homme en blanc. Sed felis solo tumuit almis veni pluviali. Vel focibis oida mores nec... Ce doit être la maison de leur dieu Timuré. Ils lui ont fait une riche demeure. Une Danoise foule les pavés de la maison de Dieu. En quête de la rédemption du Christ, j'espère. Ton Christ attendra son tour. C'est toi que je suis venu voir. Ah, vraiment? Que vienne l'orgueil, viendra le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Tu connais ces paroles, et tu sais pourquoi je les dis. Oui, mais je ne suis pas certain pour autant que tu conviennes pour cette tâche. Comme Jésus l'a dit à Thomas... Je suis le chemin, la vérité et la vie. Énonce les actes du Christ dans l'ordre. Alors seulement tu viendras, mon Seigneur. Pourquoi rejeter la supplication d'une païenne crasseuse qui veut connaître Dieu? Prends-moi tel que je suis, et je ferai ce que dira ton Seigneur. Le fardeau de l'apprentissage est lourd pour quelqu'un de si indigne. Mais je vois que t'enseigner la parole du Seigneur ne pourra jamais sauver ton âme. Viens. Qui dois-je rencontrer, prêtre? Je ne peux pas attendre ici en silence. Chut. Même un fou, quand il se tait, peut passer pour un sage. Mais c'est en discutant avec d'autres que les hommes deviennent sages, et en se taisant que la folie les gagne. Silence! Ton bavardage offense les oreilles de Dieu. Nous y sommes! Puisse le Christ, qui fait fuir de terreur les malignes multitudes, conclure avec moi une alliance forte. La leçon de Dieu a été instructive. Tous les prêtres de Winchester sont-ils aussi doués pour le spectacle? Tu risques ta vie, roi Alfred. Je t'ai invité ici pour que nous parlions entre égaux. Les lois danoises de l'hospitalité n'ont pas cours dans le Wessex. Tu as offert mon Jarl à cette morveuse de l'Ordre des Anciens, Fulke la guerrière. Fulke était une ennemie du Wessex, mais il semble que quelqu'un ait déjà éliminé cette menace de mes terres. Si on ne t'a pas dit que c'était moi, maintenant tu le sais.
Impressionnant. Sa perte a dû être un coup majeur pour l'Ordre des Anciens. Que sais-tu exactement sur cet ordre ? À peine plus que ceci. Cette lettre, signée par quelqu'un qui se présente comme un pauvre simple soldat du Christ, m'avertit d'un complot contre moi. Le gibet, la plume, le Céax, trois hommes qui veulent te tuer. Deux désormais. L'évêque Elfert est mort. À ce que je sais, le Céax, c'était lui. Un humble serviteur de ton dieu. Affligeant, n'est-ce pas ? Mais sa mort a renforcé la ferveur chrétienne à Wincestre. Je prie pour que le décès de ses collègues en fasse autant. Tu as souvent affronté des guerriers tels que moi, et tu as souvent perdu ou été dupé. Pourquoi me faire confiance ? J'ai des hommes à Lunden et à Jørvik qui me rendent compte des flux et des reflux de la guerre. Il y a peu, des hommes et des femmes d'influence ont été tués dans ces lieux, dans des circonstances assez précises. Quand j'ai reçu cette lettre de notre pauvre simple soldat, je n'ai eu aucun mal à comprendre pourquoi. J'ignore tes raisons et ce que tu espères gagner. Je te demande simplement d'achever ce que tu as commencé avant que ces âmes déchues n'infestent davantage l'Angleterre. L'ordre devrait te tuer. Cela hâterait notre conquête. Ce n'est pas en coupant les organes de l'État qu'on arrête la gangrène. Alors promets-moi une récompense digne d'une saga, le poids en argent d'un roi. Très bien. Autant que tu pourras en emporter. Ce matin, Goodwin, mon magistrat, n'était pas à son poste. Un homme de confiance ? Goodwin suivait les indices présents dans cette lettre, quand il a disparu. Où l'a-t-on vu en dernier ? Chez lui, près de la porte ouest. Tu trouveras peut-être quelque chose là-bas. Eivor, de la mesure tant que tu es chez moi. Ma ville n'est pas un champ de bataille. Pas encore, grand roi, mais ce jour viendra. Il faut que je trouve Goodwin, ce magistrat. Approchez, j'aimerais vous parler. Tu ne tireras rien de moi. Je suis aussi loyal qu'un chien du roi. Selwyn a un sacré culot de faire arrêter l'homme d'Elfred. Qui règne à Wincestre, juste ? Elfred est-il roi, ou non ? En tout cas, ce n'est pas toi, c'est sûr. Alors ferme-la et fais ce qu'on te dit. Goodwin n'est plus là. Et des gardes le cherchent. Où est-ce qu'on a bien pu l'emmener ? Cela déplaît à quelqu'un qu'Elfred éduque les habitants de Wincestre. Elfred, ou je me soulage dans ta main.
pas le bichou d'Alfred, je vais pisser dans ta mare au canard. Des documents jetés au feu. Goodwin effaçant ses traces, ou les gardes détruisant l'épreuve. Des bols brisés, de la nourriture éparpillée. On l'a emmené de force. Il doit y avoir une garnison dans la ville. Une lutte violente avec les gardes. Ils ont dû l'emmener à la garnison de Winchester. L'accès à cet endroit est interdit. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Inspecte les alentours, Sinin. Que vois-tu, ma vieille amie ? Hey.
Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Va voir, Sinin. Des murs épais et des gardiens lourdeaux. Parfait pour garder quelqu'un de précieux. Danoise à Winchestre ? Drôle d'époque. C'est le roi Elfred qui m'envoie. Il m'a prié, genou en terre, de retrouver quelqu'un. Je connais assez bien Elfred pour savoir que c'est un mensonge. S'il t'a envoyé, il l'a fait fièrement et debout. Peu importe, car tu es celui, Goodwin, qu'il m'a chargé de retrouver. Sais-tu pourquoi ? Ma foi, pour trouver ces hérétiques de l'ordre des Anciens, et pour les enterrer si profond que même Dieu aurait besoin d'une pelle. Alors, où est-ce qu'on creuse ? Les résultats de mon enquête nous aideraient. Si on ne les a pas déjà brûlés, ils ne seront pas loin. Je trouverai tes recherches. Maintenant, pars avant qu'ils ne remarquent que leur loup a quitté la cage. Regroupons-nous au-delà des murs!
L'autre côté doit être barricadé. Résultat de l'enquête de Goodwin sur l'ordre des anciens. Winceste pleure un bon évêque. Je te remercie pour ton aide. C'est courageux d'arrêter le magistrat préféré d'Elfred. Ce prétendu ordre n'est qu'un ramassis de fauteurs de troubles. Peut-être, mais il a réussi à s'infiltrer un peu partout dans ton pays. Il est dangereux. Je n'ai pas bien entendu ton nom. Eivor, du clan du Grand Corbeau. Fléau de la Mercy, si mon nom ne te rappelle rien. Eh bien, Eivor, quand nos trois hérétiques ne seront plus qu'un tas de cendres, nous boirons ensemble et nous dirons tout le mal que nous pensons des Merciens. Elfred pense que l'un d'eux est mort. L'évêque Elfert était le Seax. Bon sang. La moitié de Winceste pleure ce trousseur de nonnes. J'ai trouvé ceci cloué sur une porte. Cette plume manie les mots comme les lames. Une controverse sur la tutelle? Du venin caché derrière de belles paroles. Je vais tâcher d'en savoir plus. Le gibet, qu'est-ce que tu sais sur lui? Je suis sûr que c'est un autre magistrat. Nous sommes les seuls à rendre justice. Et celui-là fait preuve d'une infâme rectitude. Le gibet t'a fait arrêter, et il doit donc être celui à rendre jugement. Le magistrat Selwyn? Bien sûr. Ce pourceau n'a cessé d'infliger de nouvelles règles à Winceste. Il ordonne des exécutions pour des accusations spécieuses. Ça peut être quelqu'un d'autre? C'est lui. Il est le seul qui corresponde. Mets fin à cette terreur, Eivor.